Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Animal Crossing pour cet épisode qui sera consacré à un voyage onirique. Nous sommes sur une île qui s'appelle Valagrim. C'est marqué sur le drapeau. Et ça donne un peu l'impression d'être une île plutôt fleurie. On a une petite musique un peu quartier parisien. Il y a un chien derrière là. Ah oui. Ah, il y a deux chiens, d'accord. Ok. On a une jolie robe là. Sans doute fait par l'auteur. Petite musique, vraiment guirette. C'est bien et bon et tout. C'est plutôt agréable. Le motif au sol est magnifique. Et celui-là aussi. Pour l'instant, c'est topissime au niveau de la route. Oh, le crabe m'a fait peur. Enfin, le crabe. Pas grand-chose sur la plage pour l'instant. Hein. Ah, ça y est. On y est. Ouh là là. Que de motifs. J'aime beaucoup, c'est sympa. Très très bien. Ils sont les motifs au sol ici sont un peu bizarres, mais ça va. Ça fait une sorte de long tapis en fait. Ok. D'accord, il y en a encore ici. Petite tente, sympa. C'est vrai que depuis qu'on a eu l'occasion d'avoir cette petite tente, beaucoup de gens l'utilisent. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Ah, une tenue avec un chat et vue par un chien. D'accord. Il y a des valises un peu partout et des chiens un peu partout également. Tant qu'ils font pas la petite crotte, ça va. Il y a une première maison ici. Alors, est-ce que c'est une maison spéciale ou pas? On verra ça peut-être. Je regarde un peu. Oui, il y a des motifs. Oh, il y a deux étages. Enfin, un deuxième étage. Ouh là là, que c'est joli. J'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment joli. Alors, dommage d'avoir laissé un tas de feuilles là. Qui n'a pas lieu d'être en plus. C'est dommage. Ça gâche légèrement. On n'a pas vu les habitants. Allez, on va voir les habitants tout de suite. C'est Minevi qui habite sur cette île. Elle est accompagnée de Ellory, Nox et Kane. Et les habitants sont avec Walt, Capri, Teddy, Molly, Irène, Lupio, Marty, Sivet, Stéphan et Suzy. C'est pas mal. Un début vraiment très très joli. On verra après si je fais cette maison ou pas. Oh bah non, il y en a une autre ici. Flower, c'est marqué. Alors est-ce que je vais faire cette maison là. Allez, c'est la maison de qui? Non, je suis pas sur celle d'Ellory, ni celle de... Je suis sur celle de Kane. Allez, on y va. Oula. Flower, d'accord. Et je suis bloqué, apparemment. Je pourrais pas aller plus loin. Je peux pas visiter là. Je pourrais visiter à côté. D'accord. C'est un choix. Donc, c'est un magasin de fleurs, et autant le dire tout de suite, la première pièce correspond tout à fait. C'est très bien, très très bien. Bravo! Allez, on va voir la seule pièce autre qu'on peut visiter, à moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas d'étage. D'accord. Allez, on va voir l'autre pièce.
Alors, tes blocs me gênent un peu pour voir, mais c'est pas très grave, j'arrive quand même à le faire. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on est vraiment dans une boutique de fleurs. C'est très bien vu. Bravo. Alors, la boutique de fleurs, c'est fait et c'était très joli. Oh, salut. Attends. Minevi, some flowers. Suis-je sur une île anglaise ou américaine? Ken, come to my flower shops. Yes. Of course, je viens de la faire. Elle était très très jolie, même s'il n'y avait que deux pièces. Après, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il fera un peu plus de pièces, mais c'est à la rigueur, rien que les deux suffisaient pour le moment. Un champ de fleurs, très très bien, avec des accessoires qui vont avec. C'est très réussi, même si personnellement, j'aurais préféré plusieurs variétés différentes. Là, c'est un choix, c'est que la jaune. Ça se respecte. En plus, il y a la petite tenue qui va avec. Par contre, c'est long, long, hein. Alors, si j'étais méchant, je dirais que c'est un peu long. Mais bon, c'est plutôt joli et agréable à regarder. Il y a même la chariote avec le cheval. Il y a une dernière maison ici. Le motif au sol, très sympa. Il y a des maisons d'habitants ici. Alors, je vais voir ce qu'il y a au fond. Alors, comme à mon habitude, hein, je vais louper quelques endroits. Il y a une maison ici. Tiens donc, c'est la maison de qui? J'avais pas remarqué qu'il y avait une maison au bout. C'est pas un habitant. Enfin, pas un habitant. Si, c'est forcément un habitant. C'est Suzy qui habite tout là-bas. D'accord. Bah, pauvre Suzy, ils t'ont mis carrément à l'écart, hein. Mais t'es pas mal, t'as pas mal de choses pour toi. Notamment ici, une petite table, des chaises. C'est pas mal du tout. Motif au sol, vraiment top. Encore un petit chien, on aime bien les chiens dans cette île. Si vous suivez aussi les autres vidéos de la chaîne, vous voyez notamment en ce moment que je suis sur The Last of Us Partie 2. Et notamment, il y a beaucoup de chiens et des chiens pas très gentils qui veulent me mordre. Mes aïeux. Donc, j'en fais de la chair à pâté d'ailleurs. Je sais. Je suis pas gentil avec les chiens, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent me mordre. C'est un très bon jeu également. Complètement différent de Animal Crossing, hein, faut bien le reconnaître. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de changer du tout au tout. C'est vraiment très différent. Hein. Par contre, les champs de fleurs comme ça, ça me gâche un peu, en fait. Mon plaisir de voir ton île, qui pour l'instant est très très jolie. Et là, je suis en train de me demander si je vais faire la maison qui était là ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, un panneau? C'est la maison de qui? Parce que en fait, la première maison, il n'y avait pas grand-chose non plus. Elle était... C'est Minevi. Donc, je vais la faire. Allez, c'est parti. Oh là là, que c'est rempli. C'est bien rempli. Ah, il en faut de la patience pour mettre tous ces objets. Et ils sont bien. Oh là, on a encore fermé. On a encore fermé les deux côtés. Donc ça veut dire qu'on a... Est-ce que j'ai le haut et le bas? Mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Hein. On verra ça après. On va aller au fond. En tout cas, cette première pièce est très bien achalandée, très bien remplie. Bravo. Allez, on va voir par ici.
Oui, la petite musique me plaît beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai tapé sur ça. Eh ben écoutez, ici, on prend son bain. Ou douche, c'est comme on veut. On peut le faire. C'est plutôt joli comme pièce. Assez original. Et j'aime ça. Ah, c'est rempli aussi, chouette. J'avais un peu peur que ça soit pas... Alors, c'est des pièces très étranges parce qu'en fait, que ce soit la pièce du fond qu'on a visitée ou celle-ci, on a coupé un peu la pièce qui apparemment est trop grande. En tout cas, c'est toujours bien rempli. Même là, hein, je trouve que le côté... qui a été soi-disant coupé, ça va. Ça reste très agréable. Et ben du coup, comme il y a eu un des produits en hauteur, enfin à l'étage, on va aller en bas. Nous voici en bas, et là aussi, c'est bien rempli. Et par contre, c'est divisé en deux. C'est vraiment très étonnant, en fait, la façon d'avoir travaillé ces pièces. Franchement, c'est... Même si on a déjà vu des découpages de coins, en tout cas, celui-là est vraiment super. Hein. Très, 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 très belle pièce. J'aime beaucoup. Le mur, c'est la première fois que je le vois, et il correspond bien au thème. C'est top. Il n'y a rien à dire. Tout est très bien ici. Allez, je remonte. Allez, on en a fini avec cette visite de maison. Elle était top. Il y avait encore une fois pas toutes les pièces. J'espère que je vais pouvoir... Oui, voilà. J'ai trouvé enfin le passage. Et encore une petite maison ici. Deuxième... On a le campeur qui devrait pas être loin. Je peux passer par là, d'accord. Alors ici, c'est quoi? C'est le coin de Runa. Ok. Il y a le musée ici. Il y a le penseur. Ah, tu me gênais. D'accord. Ah, il en faudrait peut-être un deuxième ou je sais pas. Quelque chose d'autre, peut-être un nain ou un ours, un panda. Très très bizarre cette impression d'avoir du produit là. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut voir autre chose par là? Coincé également. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, en fait. Être coincé pour pas passer pour voir une pièce ou un endroit. C'est très réussi ici. Là, par contre, il y a un peu trop de couleurs différentes. Ça me tape un peu à l'œil. Mais le campeur est ici. Les fleurs sur la plage, blablabla. J'aime pas ça. Ah, on a une série de chiens là. Je parlais de série et on n'avait pas encore vu les trois à la suite. Des fans des chiens apparemment. Hein. Regardez, il y en a encore. C'est une animalerie. Le sanctuaire des chiens. Alors, je suis coincé. Que fais-je? Je repars. Dommage, je peux pas aller par là. Il faudra que je redescende par un autre endroit. D'accord. Pof.
Pof. Oups. Ça, c'est le côté un peu dommage. D'être bloqué comme ça, je n'aime pas ça. Je trouve ça... en fait, c'est contre-productif. Donc, c'est qu'il y a un problème sur votre île, en fait. Quand vous avez des... Même si c'est voulu, hein. Soit vous laissez un petit passage... Soit vous expliquez aux gens qu'il n'y a qu'un seul passage. Mais là, c'est... Ça, c'est pareil. Après, chacun fait comme il veut, hein. C'est toujours pareil. Vous le savez bien, mais... Voilà, pour les vidéos, c'est pas top. Ouais, je suis perso dans mon propos. Et puis, c'est tout. C'est pas mal là. Les motifs au sol sont toujours aussi beaux. Ça fait un peu plus village, bourg ici, avec la vente de tomates ou de pommes, pardon. Je regardais pas le, je regardais le panneau qui est ici. Je trouvais que ça faisait plus tomates que pommes. Ah ouais. Doit être fait avec une jolie présentation à l'entrée. Ça, c'est Milimelo. D'accord. On peut passer par là. Alors, ouais, je peux passer, mais je sais pas où je vais. Et vous voyez ce qui est caché. C'est dommage. Il y a un travail énorme de fait sur cette île, hein, quand même. Alors ici, on est dans quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ici, on est dans un magasin où on vend de la pomme. Du cidre de pomme, de la confiture de pomme, tout en pomme. Encore un chien. Alors c'est plutôt nature, hein, mais c'est plutôt joli quand même. Hein. C'était bien foutu. Du coup, il me reste une maison à visiter. Il n'y a pas une maison par là. Si. Il y a la maison de Nox qui est sur la plage. Allez, on va faire la maison de Nox qui est sur la plage. Et ça sera notre dernière... Oh, bah je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Juste une pièce, on va voir. C'est le domaine des chiens pour la maison de Nox, d'où le nom peut-être, Nox. En tout cas, cette île, c'est des amoureux des chiens. Alors ne joue jamais à The Last of Us partie 2. Hein. Et bien voilà les amis, nous avons fini la visite de l'île Valagrim avec 4 habitants sur cette île. Et ben c'est une île plutôt jolie. Il y a des bons passages. Alors le seul bémol, il y avait de superbes dessins au sol, quand même le dire. Les motifs au sol sont vraiment chouettes, surtout ceux-là que j'avais fait au tout début. Alors le seul bémol, c'est justement ici, c'est très bien, on a un passage. On a un passage pour pratiquement tout ce côté. Et c'est le côté sur ma gauche. Enfin, à l'écran, ça sera sur la droite, plutôt.
de ce côté-là, si vous préférez, ou qui m'a un peu déçu. Bien joué, le râteau. Bien joué. L'île est vraiment sympa. Les maisons aussi. La maison des chiens, c'était sympa. La maison fleur aussi. Et sa maison, la maison que j'ai visitée, qui était celle de Minevi. Donc, il n'y a qu'une seule maison que je n'ai pas faite. C'est celle de Elori. Et celle de Mélori était pas mal non plus. Franchement, c'est une chouette île. Alors, j'ai peut-être loupé encore des coins. Je vous laisse le code onirique au cas où vous voulez visiter cette île. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Animal Crossing. À bientôt.